L'Académie Mohamed VI de football, née d'une volonté royale et d'une vision d'excellence, elle s'assigne comme objectif de former des footballeurs de haut niveau. La première pierre de cet établissement prestigieux a été mise en place le 16 mai 2008 et inaugurée le 28 mars 2010 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Une véritable mine d'or de talent. L'Académie adopte le modèle sport-études similaire aux centres de formation internationaux de haut niveau. Le fonctionnement de l'Académie est assuré par 6 pôles. Chacun de ces derniers contribue avec son expertise humaine et matérielle à inculquer à tous ses futurs joueurs une vision claire sur la prise en main de leur avenir de footballeur en s'armant de patience, de rigueur et de modestie, tout en s'animant d'un bel esprit sportif. Pôle administratif. Il veille au bon fonctionnement de l'Académie de manière efficace et efficiente, afin de permettre aux joueurs de se concentrer sur leur formation et leur développement sportif. Pôle scolaire. L'Académie permet aux joueurs de concilier leur passion pour le football avec leurs études. Le pôle scolaire offre un environnement adapté pour la formation académique. Pôle hébergement et restauration. L'Académie est avant tout un lieu de vie pour les jeunes joueurs en formation. Il comprend des chambres adéquates à leur mode de vie pour assurer leur bien-être et leur confort au quotidien. Des repas sains, équilibrés et adaptés aux besoins des jeunes footballeurs sont préparés sur place et servis dans une ambiance conviviale. Cela leur permet de se concentrer sur leur entraînement, tout en étant bien nourris et reposés. L'espace détente est un endroit accueillant conçu aux joueurs pour se détendre et récupérer. Il leur offre un environnement propice à la relaxation et au divertissement entre les entraînements et les matchs. Pôle médical. Il veille au suivi quotidien des joueurs sur les plans médical et psychologique. Il est doté d'équipements médicaux et paramédicaux de haute qualité. Pôle sportif. Un concentré d'expertise et de savoir-faire, fourni par une équipe spécialisée d'experts et de coachs pour assurer une formation de qualité et un encadrement de proximité. Des installations de classe mondiale, étalées sur 17 hectares, l'Académie se dote des derniers équipements sportifs et technologies de pointe afin de s'aligner avec les normes et standards de la FIFA, offrant ainsi les conditions optimales de l'excellence de ses futurs lauréats. L'Académie dispose de terrains naturels et synthétiques qui procure une expérience de jeu authentique et stimulante. Grâce à ces terrains de qualité, les joueurs de tout niveau peuvent s'entraîner et progresser dans les meilleures conditions possibles. Pôle loisirs. L'école de football constitue le pôle loisirs de l'Académie. Elle est ouverte au grand public en vue d'initier les jeunes à la pratique du football et leur inculquer les nobles valeurs du sport. Elle permet à ses adhérents âgés de 6 à 16 ans de s'adonner à leur passion sans une grande exigence de résultats, mais aussi de se familiariser avec l'esprit compétitif du football. Une optique d'ouverture et d'échange. L'Académie veille à offrir l'opportunité à ces jeunes footballeurs pour poursuivre leur progression et atteindre le haut niveau en se confrontant aux meilleures écuries mondiales à travers la participation à plusieurs tournois nationaux et internationaux. Outre les tournois et tournées à l'étranger et au Maroc, l'Académie organise son propre tournoi international qui réunit, chaque année, les jeunes talents des meilleures écuries du football mondial. Vivier de jeunes talents. Désormais, l'Académie Mohamed VI de football est devenue une véritable pépinière des stars du monde du ballon rond.
3 de ses lauréats ont participé à la Coupe du Monde Russie 2018 et 4 ont contribué à la performance exceptionnelle de l'équipe nationale du Maroc lors de sa première qualification historique pour la demi-finale de la Coupe du Monde du football au Qatar en 2022. Plusieurs lauréats de l'Académie se distinguent également sur les terrains des plus prestigieux championnats en Europe, ainsi qu'au niveau national de la Botola Pro 1. L'Académie Mohamed VI de football, bien plus qu'une académie.